Bonjour à tous, c'est Tuto Facile France et aujourd'hui on se retrouve pour un tuto qui va vous expliquer comment avoir le casque de pilote que vous avez automatiquement quand vous grimpez dans un hélicoptère pour l'avoir en permanence sur vous. Donc c'est parti, il va falloir commencer par choper donc un hélicoptère. Donc vous pouvez appeler Pegasus, enfin non, excusez-moi, Meriwether, pour récupérer, enfin pour faire appel, appeler enfin avoir un ramassage en hélicoptère. Moi je l'ai déjà fait, on va directement aller chercher un hélicoptère à moi. Mais vous pouvez trouver n'importe quel hélico, à partir du moment où vous rentrez dedans, vous avez ce casque qui se met automatiquement sur votre tête. Donc vous allez commencer par aller à côté donc d'un hélicoptère. Là, vous allez appuyer sur back. Aller dans l'inventaire et mettre une paire de lunettes, n'importe laquelle. Et alors là, vous n'allez pas enlever le menu et vous allez rentrer donc dans l'hélicoptère, tout en restant dans le menu inventaire. Une fois que vous êtes dedans, le casque a dû être mis automatiquement. Vous allez rechanger une fois de paire de lunettes. Et vous allez faire Start en ligne. Choix du changer de personnage. OK. Et là, vous allez pouvoir constater que votre personnage a bien le casque sur la tête. Donc, vous allez retourner sur votre personnage et vous pouvez voir désormais que vous avez le casque en permanence sur la tête. Alors, il s'enlèvera dès que vous allez mettre un casque ou un masque. Par contre, vous pouvez changer de lunettes sans souci ou les enlever si vous voulez plus de lunettes. Et donc voilà, pour ce qui est du glitch du casque, vous pouvez désormais avoir le casque. Ensuite, on se retrouve aussi pour, comme vous pouvez le voir, je n'avais pas de soutien-gorge en dessous de ma veste. Donc c'est un petit glitch assez bidon et je vais vous en présenter un autre juste après qui va vous permettre d'enlever complètement la veste. Vous n'aurez rien du tout sur vous, tout du moins en haut. Donc comme vous avez bien compris, vous aurez les seins à l'air. Donc là, comme vous pouvez voir, quand je mets n'importe quoi sur moi, je peux pas enlever au pire des cas, le minimum qu'on puisse avoir, c'est un soutif, enfin un bikini. Donc le principe va être simple, vous allez aller dans robe. Si vous en avez pas, vous allez l'acheter tout simplement. Donc vous allez sur robe, vous mettez une robe, et ensuite vous allez aller tout simplement mettre une veste ou un blouson en cuir, n'importe, et vous allez voir que vous n'avez plus de soutien-gorge ou de bikini en dessous. Par contre, vous ne pouvez pas, si vous enlevez la veste, à vous mettre un t-shirt automatiquement. Donc voilà, vous pouvez avoir votre veste sans le soutien-gorge en dessous. C'était un petit glitch à la con et on se revoit bientôt pour un prochain tuto.